Bonjour YouTube. Bonsoir YouTube. Voilà, alors déjà première chose YouTube, de l'acier. Milestone reached. Ensuite, voilà. Deuxième chose YouTube, de la recherche. Je te débloque le seul truc qui est intéressant qui est la plaque de fer renforcée alternative qui peut se faire maintenant uniquement avec des plaques de fer de base et remplacer des tiges par des bobines de cuivre. Voilà. On avait pas déjà ça ? Non, on l'avait pas. Visiblement non. Ah, c'est le rotor, pardon. Nous, c'est le rotor qu'on a en recette alternative. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux débloquer là-dedans ? Non, ça, je ne peux pas, malheureusement. J'ai fait une tonnasse de trucs sur moi, mais il va nous manquer le plastique. Nutriments, je peux pas débloquer. Il nous faut de l'acier. Dans les quartz. Alors, ça, je peux débloquer. C'est parti. La cartographie, séquentiel, machin, tout ça, je vous lance ça. C'est pour vous, YouTube. Ensuite, YouTube, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Le transport motorisé. Il me faudrait, du coup, si on part faire une production d'acier, deux foreuses portatives. Attends, je crois que je viens de faire bugger le jeu. Ah ouais ? Qu'est-ce que ça fait ? Bah, je viens d'envoyer deux pattes d'affilée, là. Ah ouais ? Ouais, le jeu l'a bien vécu, il m'a dit c'est ok. C'est street légal, vas-y. Carrément. Le juge dit c'est méga ok. Ah, j'ai guac le jeu. Trop fort. Et la production d'acier avancée, on l'aura juste après dès qu'il redescend. Le problème, c'est que le jeu veut pas me dire. Ah oui, il faut que tu fasses en urgence 200 tubes en acier. C'est l'urgence de ta vie. Bah, je peux pas faire d'acier, mec. Bah, si. Non. Ah oui, merde. Non. On a pas de production d'acier pour l'instant, donc je peux pas faire de tubes en acier. Alors, moi je peux tout faire. Moi je suis un monstre. C'est parti. Je me cassos. Je vais faire de l'acier. Attends, bah j'arrive, on va mettre une production automatisée d'acier là-bas. J'arrive, enfin je fonce, enfin je cours, enfin dans la bonne direction, enfin, j'espère. Ah attends-moi. Non, c'est le bout du monde. Ah oui, c'est vrai que le bout du monde pour toi c'est... Ah oui, y'a plus de béton quoi. Exactement. Par contre, c'est normal que je vois encore une limace verte qui traîne sur la route. Hein? Oh, pas ça. Alors si, attention, il y a des limaces dans les trucs de gaz toxique hein. Ça je peux pas pour l'instant c'est pas compatible plus que ça quoi, c'est pas... Ah, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est un peu technique hein. Parce qu'en fait les dots de poison à l'endroit où sont les petits tics de poison que tu prends dans la bouche s'intensifient en fait, enfin pas s'intensifient, tu prends pas plus de dégâts mais plus régulier. Au début tu rentres, tu prends ouais. Ting ting. Et quand t'es en train d'enlever ta lima, ça fait ting 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 ting. Tu fais tes points de vie qui tombent, tu fais ah, je vais peut-être passer un autre jour en fait. Ah, le jeu qu'on peut plus te charger, je le mets en PLS le pauvre jeu. Ok, c'est bon, je suis en train d'arriver. Okay, où l'ascenseur à côté de la mine de Catarium de l'Apocalypse? Qui est l'ascenseur? Hein? Il y a un SK. Ouais. Il y a jamais eu d'ascenseur, frère. Ah ouais, donc on peut pas monter quoi. Bah si, on peut monter, t'es arrivé par où? Bah à part la mine à Catarium. Bah généralement par normalement si tu peux, à moins que j'ai pas tout à fait bricolé, qu'il faut faire un peu de parcours, voilà, mais ouais, ça passe. Ouais, j'ai fait du parcours. J'ai pas tout à fait fini. Ah oui, on a les fonderies avancées, c'est vrai. Ouais, je les ai prises. Ce qui m'intéresse là tout de suite maintenant, c'est une petite MK1 là. Hop, des familles. Trop coûteux. Ah mince, j'ai pas le... Non. Alors quel sens tu la veux? Bah ouais, comme ça, ouais. Ouais, non, c'était... Ouais, c'était... Ouais. Fais voir de Attends. Dos, fais voir de dos. Bon, moi ça de dos un peu. Je te rappelle que tu le vois inversé, hein. Ah merde. Ok, je le vois inversé. Est-ce que je peux la tourner dans ce sens-là? Est-ce que je peux avoir la sortie? Ah ouais, je suis un mec taquin. Oh, est-ce que je peux avoir la sortie vers ce pilier, s'il te plaît? Ouais. Oh, je suis taquin, moi. Ah, oh, je suis taquin. C'est parti. Hop, mur. Hop là. Qu'est-ce que tu fais? Je tapisse avant de mettre des trucs dessus. Je dois accrocher des trucs. T'inquiète, ça va bien se passer. Fais juste un peu de parcours, c'est tout. Qu'est-ce que tu fais? Je fais des murs en rouge dessus. Tu vois pas l'utilité du projet? Si tu veux. Ah oui, non, mais toi t'es pas au courant de l'utilité de ce genre de choses quoi.
lors de mouvements. Ah ouais, toi tu t'es pas au courant en fait, faut que je t'explique. Et les barrières sur le rebord, elles servent à quoi? Alors, t'es pas au courant non plus à première vue, faut que je t'explique aussi. Alors, c'est vachement utile pour faire des choses. Okay. Je suis dégoûté, ça marche pas. Attends. Je suis en train de me battle là. Yes. Les barrières, c'est de type décoratif et c'est pour t'empêcher de tomber et éventuellement les mobs de passer. Un mob en particulier. Ouais, mais sur le côté là aussi. Ah ouais, ici je peux comprendre. Ah, pour les. Au-dessus des machins là, tu veux dire? Au-dessus des. Genre là, surtout. Là où je suis. Ah, des rebords des escas? Ouais, là, genre là, elle sert à rien là. Non, mais là, c'est un peu déco quoi, tu vois. Ah ouais, ok, c'est pour donner un style. C'est pour donner un peu dans la continuité, tu vois. On reste cohérent. Reste logique. Alors, figure-toi que j'ai dû tirer un cap dans le coin. Non, pas tout à fait, faut que j'en tire un, c'est ça? Attends, il est où le portail le plus proche? Ah, il est là. Non, mais c'est bon. Théma. Hop là. C'est têtu, d'y est pour ma gueule. Alors, c'est beau ou c'est beau? C'est bien joué. Bien joué. Je reconnais qu'il y a quelque chose. Il y a un talent. On n'y croit pas, mais si, ça existe. Alors, moi je partirais bien sur un MK2 de ses morts. Est-ce qu'on peut l'aligner sur ça? J'ai du MK2 si tu veux. J'ai beaucoup de plaques renforcées sur moi. TKT, déjà j'ai de quoi faire mon bignou. Ouais. Et ça maintenant il faut que j'aille en haut pour le limitless. Hop. Comme ça ou je le sors? Ah ouais. Ouais, on est trop sur l'esca là. Ouais, plus comme ça m'amène. Voilà. Hop, on se prend deux plaques à la con. C'est où? Ah non, mais ça c'est du 1. Ah non, c'est du 2 ça. T'as posé du 2 aussi pour l'ascenseur? Ouais, posé du 2 partout, monsieur. Le 1, je connais pas. Hein. PTDR, je sais pas ce que c'est. Moi, le 1, je le démonte et après, je fais des murs. Pas de question. Voilà. En fait, tu vois tous les murs là? Bah, il faut du béton et il faut des plaques. Mais des plaques de base. Donc c'est ce que j'ai fait. Alors, je pourrais poser ça, mais est-ce que ce serait pas un peu vulgaire? En vrai, attends. Là où t'es, il y a moyen de faire un truc. Parce qu'en fait, là, si tu veux, je suis en train de me dire que une petite coursive murale, genre de type comme ça, quand même, t'inspire un peu plus le professionnalisme. Ouais. Là, tout de suite, on sent qu'on est une entreprise avec qui t'as plus envie de travailler. Parce que, faut penser corpo. On va pas des chips, professionnels, nous, monsieur. Exactement. Hop là. Et juste après, t'entends Marcel qui sort à Patrick, tu tires ou tu pointes? Dans le fond. C'est avec le bruit de pétanque. Puis après, le bruit de bouchon de bouteille. Ch'touk. Les verres qui se remplissent et tout. Les gars, on avait 10 pros pendant au moins 2 minutes. S'il vous plaît, quoi. Soyez corpo, quand même. Alors là, pareil, on pourrait faire un truc. Voilà, on pourrait décider. Ici, là, si t'en poses un ici, à peu près, ou là où je suis, en dessous de là où je suis, et que tu le fais tourner et que tu poses des murales sur les poteaux quand tu montes, on peut continuer à monter. Hein. Bah voilà, c'était un peu l'idée. C'est un peu ce que j'allais te proposer. Ou alors, on peut faire un tapis sur. Sur ces petits Jessa. Ok, d'accord. Non, on se fait chier, on fait un truc propre. Putain, pas 2 secondes. Ah ouais, mais là ça me contrarie là. Ah ça question d'équilibrage, là ça y est, ça me contrarie. Ça y est, mon équilibrage j'ai mis en péril. Je suis en stress. Faudrait que je mette ça là. C'est pas joli, je crois. Ça donne ça. Ouais, ça va, ça se fait. En vrai, ça le fait. Bon, je vais essayer de te poser les autres murales, là. Ouais, vas-y, je te suis en posant des... En posant des trucs et des machins. Yes. Ouais. Alors, attends, je t'embêterai à chaque truc. Parce que c'est plus stylé. Ah oui, par contre, ce qui va être chiant, c'est que je vais commencer à être loin pour les construire, en fait. là, tu peux te mettre ici. Et le faire, de là. Oh, le décathlon, c'est la méga vie. Ah ouais. Ah oui, ok. Hop là.
T'as un caillade un petit peu en dessous. Sinon j'allais dire on peut toujours se poser un bout d'esca pour que je me retrouve sur le côté pour poser. Ouais c'est ça, on peut tricher quoi. Ce qu'il va falloir parce que là la visée. Ah ouais, tu vois là j'ai tiré à côté. Ah bah j'ai plus précision. Attends, remonte. Tu peux te remonter et te mettre comment ça s'appelle sur le rebord là. Tu peux te mettre sur ça. Regarde. Hop, et de là tu vois. C'est exact. Ouais, me mettre ici, t'as vu. Tu peux le construire le truc là ou pas? Ou je le construis. En fait, je le construis pas parce que sinon ça t'emmenait quoi. Tu veux que je t'emmène? Ouais, vas-y, emmène-moi. Fais-moi rêver. Ah, je peux pas, saute. Ok, ouais, je te bloque la fonda. Je te bloque la fondation. Je me mets un peu sur le côté comme ça. Ça. C'est pas toujours très coopératif comme système. Hein. Non. Mais c'est stylé. Le système de construction dans le jeu, des fois, il est bien, mais des fois, qu'est-ce qu'il est emmerdant, quoi. Le fait que les joueurs soient considérés comme des... C'est bien parce que ça t'empêche de te bloquer, tu vois. Mais sur un connecteur, qu'est-ce que t'en as... Sur un convoyeur, qu'est-ce que t'en as à foutre qu'il y ait un joueur, quoi. Hop. Ouais, vas-y. Allez, go mon visigo. J'ai le tapis qui fait tout le tour. En fait, ce tapis, il a quand même un petit défaut. Hein. C'est qu'on a... Il faut pas qu'on ait besoin d'amener autre chose parce qu'on a pris toute la place sur le mur. Bon, tu me diras, on peut encore gratter l'autre côté. Non, on peut faire ça. On a le haut de la plateforme et le bas de la plateforme. Hein. On peut en mettre 4. Hein. Ouais, on peut encore tricher pas mal, plus l'autre côté. C'est ça, on peut en mettre 4 au total, hein, c'est pas mal. De toute façon, c'est vraiment que pour faire de l'acier, donc on s'en fout, quoi. On apporte ça au charbon. Bah ouais, mais bon, l'acier, après, on va en bouffer, hein. Donc, après, faut pas oublier qu'on aura le train. On adore les trains. Ouais, c'est ça, on pourra transporter le charbon déjà par train. Oh, vivement le chouchou. Hein. Oh, le chouchou vroom vroom, là, je vais m'éclater. Bon, je te préviens, on n'a pas assez de béton, on n'a pas assez de cuivre. On a les trains, on n'a plus rien avec. Ah ouais, alors le chouchou ça va être. Être fine de boulesque, monsieur. Ouais, je vais le mettre comme ça, je pense. Ah, que... il m'en manque. Ah non, ok, j'allais dire, il m'en manque un ici, mais non, c'est bon. Est-ce que ça fait pas un trop truc distordu si je te l'amène placé comme il est là? Est-ce que je te ferais pas plutôt genre. Enfin, excuse-moi, je te ramène ça par là. Oh non, c'est pas le bon. Voilà, ça remet un peu. Comme ça? Ouais, comme ça. Alors attention, hein, je te fais le plus beau virage de ta vie. Et de 1. Et de 2. Et de 3. 0. On a vraiment beaucoup de matériaux à perdre. Hein. Autant que ça. Alors attends, d'ailleurs, dans les choses qui se voient tant que ça, dans les matériaux à perdre, moi j'ai pas fini mes petits bas de mur en rouge là. Moi je termine un peu. J'en profite. Je fais les finitions. Hein. Je fais les finitions à la main pour pas cher. Pochel. Ah putain, incroyable. Yes. Le mur. Allô? J'ai compris, je me casse, je vais le faire. Bah, faut pas avoir le vertige non plus dans ce jeu. Ça va. Faut pas. Regarde, il y a une limace là-bas. Faut pas être claustro non plus. Où ça? Ouais, à certains moments. En bas dans le désert. Sur un poteau, ouais. Un poteau dans le désert. Là, là-bas, t'as des montagnes à gauche. Tu vois, t'as les. Comment dire? Tu vois, t'as la rivière, ok? Ouais. Remonte ta souris le long de la rivière et tu vas voir, il y a un petit poteau avec une limace dessus. À droite. Faut pas, frère. C'est plus à droite de là que tu regardais. Ouais, là. Ouais, c'est sûrement dans le gaz, hein. Ah, je vois pas le gaz là, moi. Ouais, moi je le vois. Je le vois et je le vois mal. Ouais, faut que j'attends. Ouais, c'est. Eh, à quand le boum boum? Bah déjà il faut de l'acier. Ah.
déjà. Faut du tube. Hein. Je t'avoue que plus on monte, moins je suis serein. Bah ça va, de là tu meurs pas. Hein. Ouais, parce que j'ai le décathlon. Oui. À 100, c'est déjà fini. Hein. Non, je veux pas que t'ailles dans le... Et dans non, c'est pas au niveau du gaz, hein. La fin. Je veux pas... je la vois pas, donc... je t'avoue, je ne peux que te croire sur parole. Hein. Bah attends, regarde. Je vais te décrire exactement ce que je vois. Il y a la rivière du bas, d'accord. La plus vers nous. Ok, où est-ce que t'es? La plus vers nous, ok. Et quand tu regardes, donc t'as les quatre arbres qui font le début d'une sorte de ravin. Mm-hmm. Et quand tu continues dans le ravin, avant que ça tourne sur la droite, t'as un poteau au centre de la rivière. Non? Non. Enfin, moi je le vois pas. Ouais, c'est peut-être moi. Ah, mais après, peut-être que tu l'as ramassé et que ça s'actualisera que quand je serai à côté, quoi. Ah, c'est pas impossible. La forme du convoyeur n'est pas adaptée. What? La forme ici. Comment ça? Ah, c'est trop collé? Ouais. Mais on l'a déjà fait sur les autres? Bah, ouais. Attends, je vais te le décaler un petit au poil. Tac, tac, tac. Si je te le mets là. Ok, pourquoi il me merde comme ça là? Ouais, il y a un merdage hein, parce que ça on l'a déjà fait. Hein. Bah, est-ce que tu peux le poser toi? J'y arrive pas. Ça refuse de le poser. Ah oui, ça le fait bug. Ah! Attends. Attends. T'es trop prêt, attends. Il faut démolir ta ligne précédente. Hop, je te la démolis. Parce qu'en fait, je pense qu'il veut le faire démarrer absolument à l'envers sur la tige. Et du coup, forcément, ça ne passe pas. Ah ouais. Le truc multivrille. Alors attends, laisse-moi caler du coup peut-être les deux avant de lancer un truc. Ouais, et faire le coin avant de poser les deux autres. Hop. Je te pose. Attends. Ah. Non, il veut pas. Il veut pas. Ah, il refuse. Hein. Sur ces catégories et tout. Ah, c'est catégorique, monsieur. Hein. Alors, si je fais ça. Et. Hop. Bouge pas. Il vous pas non plus pour l'autre. If je le décale. Attends. Hop là. Ah, me fais pas tomber. Non, si tu veux, là, sur le deuxième direct. Sur le deuxième, il veut pas. Comme ça. Ouais, c'est ça. Non, est-ce que tu peux l'enlever juste que je récupère les deux tiges du dessous? Oh, j'ai failli démonter la barrière. Ouais, tiens, hop. Merci, monsieur. Voilà, ça fait partie des petites incohérences que le jeu a décidé de mettre pour péter les couilles. Alors, attends, je vais voir tant que ma plateforme est là si je peux pas tirer un truc un peu plus haut. Et oui, ça, pour le coup, c'est vraiment des petites incohérences de construction, quoi. C'est vraiment... tu pètes les couilles pour rien, quoi. Ah, je peux monter directement jusqu'à là-bas? Non, t'en as un là. Ah là, ah ouais, ok, je l'avais pas vu. Non, ça serait grossier sinon, ça serait vulgaire. Ah, ça serait vulgaire. Enfin, comme ça. Alors, il y en avait un toutes les cases dans la ligne droite précédente, mais maintenant on s'en bat les couilles. Ah bon? Il y en avait un ouais. Sur chaque. Ah ouais? Ouais, je te jure. Ah bah attends, je te refais ça. Hein. Non! Mais si, non. La cohérence du lore. Hein. Voilà. Ok, bah c'est bon. Y'a plus qu'à démonter. Hein. Non, c'est bon, ça va, on se passe dessus. Mais bon, moi je m'en bats les couilles. Moi, je m'en bats les couilles, frère. Ça m'a pris littéralement 32 pouces, quoi. Donc ça va. Ça va en termes de. Et là, c'est le moment où je te zatte et je t'envoie en dehors du ring. Ah non, tu fais pas ça par contre. Je vivrais mal. Je vivrais très mal. Arrête d'essayer de tirer ton truc en même temps, s'il te plaît. Pardon. Parce qu'en fait, ça crée des incohérences et il veut pas après. Et ça fait chier. Ça m'a créé une incohérence. Yes. Alors, est-ce que ton incohérence, elle est digérée? C'est bon? Non. Non, tu veux pas. Non, tu veux pas. C'est pas à cause du poteau qui est juste là? Il y a pas de poteau, là. Bah, là, il y a une...
Là, il y a une barrière. Tu veux que j'enlève pour barrière, c'est pas un poteau, monsieur. C'est que tu voyais un poteau électrique. En fait, là, il veut pas. Pourquoi? Ah, attends, je remonte en haut du. C'est bizarre, ça. Ça, c'est une maxi chelouterie. Essaye d'en poser un, toi, support mural, dans ce coin-là. Ouais, ouais, deux secondes. Faut que je me le mette dans mes raccourcis. Pas l'air de vouloir. Tu seras 8. Ah, quoi que. Si, c'est bon. Je l'ai. Ah, il voulait pas. Il voulait juste pas, il m'a dit dope. Il a fait non, tu ne le poseras pas. Bon, je te laisse continuer à les poser. Ouais, oh, par contre, et là, je démonte la plaque sous tes pieds. Mais je te. Mais baisse-toi, hein. Mais pute, mais je vais m'énerver. Hein. Vraiment. Au pire, on va là-bas direct, comme ça, là. En TGV. Ok. Et quel grossier rite. Quel grossier personnage. Ce serait pas une sorte de paysan. On va avoir un problème au bout, hein, t'es au courant. Hein. Alors, je te propose un truc. On le fait passer par en dessous. C'est ok. Alors, c'est parti, on devient maître. Bon, tu me tires ce bordel ou pas là? Bah ouais, mais comment tu veux faire? Ah merde, j'ai mal placé. Ah celle-là? Tu l'as mal placé? Non, c'est bon, touche à rien. Calme-toi, ah. Calme-toi, Denis. Ok, maintenant qu'on est là. Toi qui as demandé est-ce que ça passe par dessous. Hein. Moi, je suis juste la victime qui a dit oui. Je suis victime du crime, ok? Pas complice. Je tiens à ce que ce soit dit devant un tribunal. Hein. Alors, est-ce que j'ai besoin de démonter tout ça? Non, on pose une porte! Ah, mais non, attends. J'ai mieux. Ouais, on a les murs! Alors, on est d'accord que je pose des barrières, hein, ici. De la merde. De la merde ce que je vais me faire, non? Ouais, le mur vient de me juger là, je crois. Comment ça tu poses des barrières ici? Ben non, parce que sinon on peut pas accéder à l'autre côté. Ah si, il faudrait faire le tour maintenant, faudra faire le tour. Oh, c'est acceptable, ça peut se faire. Oh, ça peut se faire, mais d'abord! Les murs en rouge. Pourquoi ici je peux pas en mettre? Et suce-toi. C'est beau le rouge quand même, hein. Senti l'homme convaincu. Ouais, j'ai pas trop le choix, je crois que je suis obligé de dire oui là en fait. Ah ouais, alors joli, franchement. Il y a de l'instinct, il y a de la magie, il y a de l'audace. Par contre, laisse-moi plutôt te proposer une alternative. Attention, je te fais une alternative. J'ouvre la proposition. Vas-y. Hop. Hop. Et à quoi que non, bah non, du coup c'est chiant parce qu'avec les histoires de barrières ça change rien. Sinon, meilleure proposition, bouge pas, hein. 3, 2, 1. Paf. Voilà. Ouais, aussi. Peux dire, là. En plus, ah mais non, voir, je crois, j'aurais pu la laisser celle-là. T'aurais pu la laisser ou alors tu fermes avec une autre plaque en verre par-dessus, c'est toi qui vois. Ouais, attends, une autre plaque en verre par-dessus, on s'en fout. Exactement, plus ou moins on s'en fout. C'est plus ou moins une bonne réponse. Sauf que lui, je suis pas parfaitement aligné, ce qui me dégoûte un peu. Est-ce qu'il est pas possible de faire...
Fondation transparente. C'est ça, hein. Ouais. Ok. Alors pour la mettre dans le bon sens, c'est la misère. Hein. C'est la misère et les pierres. Si tu savais, mon pauvre ami. Non, il va falloir que je la tire jusqu'au bout, là. Faut que je me la tire jusque là. Pourquoi j'ai l'impression que la mienne est moins... Ah, ok, non, c'est bon. Je vais dire pourquoi est-ce qu'elle est moins transparente. Mais non, c'est pas ça. Y'a pas un peu trop de trucs qui ont été démontés là? Si, j'ai dû démonter un escalier, monsieur. Oui, ça a l'air. Hop. Attends, c'était laquelle de rampe qui était posée là? Ouais, c'était la grosse. Ouais, une grosse comme ça. J'ai dû la démonter sans faire exprès, c'est en faisant F sur la barrière et c'est passé à travers. Donc là, il y a deux écoles du crime. Ouais. Bah en fait, ça. Enfin, moi, tu sais, l'acier, je serais du genre à l'amener à l'étage pour faire mon acier au top. En vrai, vas-y, ascenseur de l'apocalypse vers le haut. Hein. Ce qui veut dire que j'emmène ça jusque là. Tac, alors attends. Convoyeur. C'est bon. À ce convoyeur, il faut. Alors je sais pas si je peux fixer ça directement au convoyeur, pour le coup, ce sera une première. Ouais, c'est possible. Yeah. Et là, il faut que je me mette à la bonne hauteur. Bien. Ah j'ai plus de plaque, faut que tu fasses le raccord frère. C'est pas possible pour moi. Raccord ouais. En bas. Attends, je t'en filais. Je peux pas la raccorder en bas, c'est pas dans le bon sens je crois, si. Si si, c'est normalement c'est dans le bon sens. Je peux pas le brancher. Non mais je peux vraiment pas le brancher. Ah bon? Ouais. Ah ce serait la sortie. Attends, il m'a vraiment collé la sortie ici. Genre Ouais, si tu commences en haut, la sortie sera là. Ah, en bas, ouais. À chaque fois. Donc, faut impérativement que je commence en bas. Ok, ok, ok. Attends, vas-y, je vais m'aligner. Normalement. Alors, après, est-ce que je suis dans le mur ou pas? Attends, je vais mettre face au truc. Voilà, face à la bête. Voilà. Et ici? Est-ce que là, ça passe? Ah, ça se raccorde pas là-haut du coup. Ah, la chienlit. Je sais. Après, est-ce que j'ai besoin forcément de le raccorder ou pas le raccorder avec une plaque en fait, tout connement? Oh, mais en fait... Attends, je sais. Ah, tu vas mettre un mur provisoire. Vas-y. Je peux pas le poser, mais en gros, faudrait. Si, si, on peut le poser. Le... Attends, bouge pas, je vais faire ça. Mais tu sais, on a le mur qui permet d'accéder au milieu en fait. Au milieu. T'as le mur convoyeur central. Oui. Mural. Celui-là? Ouais, celui-là. Je sais pas trop donc ce que là... tu cherchais, mais oui. Je fais tac. Tac. T'as plus qu'à brancher l'ascenseur. Même pas, tu t'embêtes pour rien. Oui, c'est ça, il faut que je branche l'ascenseur. Et maintenant, tu peux brancher l'ascenseur. Le problème, c'est qu'on est dans l'herbe là. Et c'est grossier, c'est vulgaire, c'est quelconque. YouTube te juge là. YouTube ouais, te juge là. On n'a pas le budget pour faire autre chose. Si, on va le faire. Regarde. Regarde, ça va méga le faire. Il est où mon machin? Il est là. PTDR, je me remets en face donc de mon mur. J'ai pas besoin d'être collé à celui-ci. Et en fait, juste là, moi, je le monte en face. Et je le raccorderai avec une plaque, c'est tout. Bien. Hop là. Non, trop. Tu crois? Ouais, t'es trop. On n'est pas adapté. Ah oui, on est trop. T'es un tout petit chouïa trop. Ah non, ce jeu qui veut pas me contrarier. Hein. MK2, on se remet en face. Alors après je me mets en face mais je peux peut-être me reculer aussi. Est-ce que je suis bien en face? Parce que là j'ai l'impression d'être de traviole. Non, t'es un peu plus à gauche. C'est à droite du coup. Dépassons un peu à droite. Oui. En fait si tu te mets ici, voilà. Si là je suis aligné là, non? Là t'es aligné. Bah je sais pas, je vois pas là, comment je suis aligné, t'es aligné toi. Moi je te vois pas, aligné. Hein? Alors attends, je rappelle que j'ai les constructions qui sont pas forcément dans le bon sens. Ok. Ok. Bon là ça m'a l'air quand même relativement aligné. Non t'es décalé. Je suis décalé par contre. Ah oui par rapport au top, oui non mais d'accord. Ok. Ah oui, on parlait peut-être pas du même décalage en fait toi et moi. Ah ouais, moi je te parlais de décalé par rapport tout en haut en fait. Ah oui, moi je parlais par rapport face au tapis. Donc là par rapport en haut je suis comment? T'es un peu à gauche. Confirme. C'est bon. Normalement. Voilà, remonte encore un peu. Là t'es
Prends un peu de la hauteur, monte sur une usine hein, s'il faut pour avoir la vision. Remonte. Un cran. Encore. Là, là t'es... Encore un peu, tu peux Encore un peu, là, ça me paraît haut, là. Attends, hein. Attends. Redescends, un cran. Là, t'es bien. Ouais, ça a l'air. Je peux le faire de l'extérieur, moi, ça, hein, de raccorder. Okay. Je pose une plaque en haut et je saute. Ok, de toute façon, on pouvait pas être parfaitement en face du fait qu'il était posé à même un sol. Ouais, c'est... Par contre, c'est j'ai plus assez de plaques. Hop, je laisse gérer ça. Ouais, attends. Tac, ça, ça monte. Attends, tiens. Petite barrière du design, là. Non, mais... Tiens, la fangue. Plaque renforcée. Tant que je... Tant que... Ok, maintenant. Depuis l'extérieur, là-haut. C'est une, deux, deux, deuxième trou. Ah ouais bah d'accord, t'as pré-shot le trou, formidable. Ouais, je voulais faire un ascenseur d'au-dessus, mais je pouvais pas. Un ascenseur d'au-dessus. Oui, ok, un convoyeur vertical. Ouais, pour continuer à le monter, mais je pouvais pas le poser tant qu'il y avait pas le... Tant qu'il y avait pas le... Qu'est-ce que je cherche, moi? Oui, je cherche ça. Bon, ça va avoir un peu de fatigue. Hop là. Tac. Ok. Le convoyeur. Logistique. Le M2K Game. Ouais. Attends, stop. Encore un peu vers le bas. Ouais. Remonte. Là, en fait, je l'entends, il me fait un ting-ting quand c'est bon, quand c'est aligné en fait. Ah ouais. Et là, du coup, on est en haut. On est au top, avec un peu d'espace. As-tu vu ma belle quenouille? Ouais. Alors. Il y a de beaux volumes, c'est très lumineux. Je pense que pour 4 personnes, c'est idéal. Hein. Ceux qui souhaitent élever leurs enfants dans un bon cadre. Bon, sachant qu'on peut agrandir, hein, évidemment. Moi, j'ai juste fait un truc esthétique comme étage, tu comprends. J'aime l'art, le design et le cochon. Il faut qu'on monte le charbon maintenant. Je pense que je vais détruire ça, là, parce que ça me fatigue à chaque fois. Ouais. Ces champignons, à chaque fois, ils repoussent, et ça me fatigue. Et j'en ai marre de les voir traverser mon plancher en béton. Voilà. Nous, on veut un parking des voitures. Bah moi, je veux un parking, mais je passe mon temps à chaque session à le raser en fait. Ouh, je vais faire un petit jardin à champignons. Hop là. Hop, me revoici, je pose quelques barrières, parce qu'on adore hein, les barrières, vraiment la décoration à base de barrières, moi personnellement, la passion. Donc, nous avons... Faut qu'on monte le bon char maintenant. Ouais, nous avons un bon char à grimper. Alors, le bon char à grimpette, moi, est-ce je vois bien un truc un peu design, un peu fou, vois-tu, un peu osé quelque part, qui représente un peu les défis de l'avenir. De l'ingénierie Exactement, tout à fait, Thierry. Alors, pour ça, je vais même aller jusqu'à l'escroquerie la plus totale, voyez-vous, ça s'appelle la flemme ancestrale. Alors, la flemme ancestrale, ça consiste à en poser plein, voilà, et le brancher à celui qui m'arrange. Parce que merde. Voilà. Simple que ça. Et là, je pense que voilà, c'est important de représenter les défis. Bref, vous avez compris. Je veux dire qu'il y a des gens qui font des études pour pouvoir dire des conneries pareilles. Vraiment, ça me fume max. On va te faire taper tout ça sur une enclume. Et m'occuper un peu. Voilà. Donc, maintenant qu'on a représenté les défis de notre temps passé et futur, je propose. Bah un mur en fait hein. Yes, tout simplement. Je pense que c'est important d'avoir un mur à la mesure. Bon bref. Est-ce que la France nous entend? Est-ce que la France nous soutient? Je ne sais pas. Nous verrons bien. La France on a une couille. Oh. Qui est stacky? Qui est pelle au Kemos ici? On a un caillou en haut. À la limite du bousin. Comment ça? Là, il y a un caillou au-dessus. Oui, donc, mais il y a un caillou, mais on le touche pas, là. Ouais, mais je veux dire, si on monte au-dessus, on fait ça avec quoi? Avec la plaque, encore? Ou on les sort comme un gros bourrin?
directement de l'escalier. On refait un mur porte. Ah ça je sais pas, je vais venir voir ça tout de suite en fait. Parce que là pour l'instant je l'ai posé. Hop, j'arrive, je fais mon petit tour détour par Warland, j'arrive. Oula. Ça ramate un peu. Ok, donc nous en gros on arrive par là. Plus ou moins, bon on est un peu dans la roche, mais bon. Quelque part c'est osé, hein. C'est les défis de. Vraiment insupportable. Voilà. J'ai pété le mur parce que du coup je savais pas trop comment on voulait le mettre. Ah bah très bien, faites un mur, c'est formidable. De toute façon il y a rien à prendre. Et là, et là maintenant c'est là qu'on voit les véritables défis de. Vraiment, on est dans les défis d'aujourd'hui. De... Putain. Alors, non, je serais toi, je ferais pas ça. Faute. Faute licenciement là, monsieur. Économique direct. Ah. Je me explique. Vas-y. Un bon buildageur, il fait comme d'habitude, il aligne un conteneur avant pour voir sa ressource en tampon. Tamponner sa ressource. Voilà. Donc là, voilà. De façon à avoir des conteneurs qui représentent les défis de... Voilà, donc on n'hésite pas à se faire des stocks de porc. Voilà. Voilà. Toujours pas trop par trois les stocks de porc, évidemment. Vraie question. Mm-hmm. Vas-y. Comment tu les branches? Avec des MK2? Alors oui, tout à fait, parfaitement. Regarde. Regarde, je te montre. Suis du bas. Dans celui-là. Celui-là. Ah merde, je peux pas le faire. Ah, alors c'est le moment où il faut intervenir avec un génie au défi, à mesure du défi de notre société, en faisant ce qu'on appelle une escroquerie dans le milieu. Hop, on arrive, on connecte ça ici, parce que j'ai collé mon, bien sûr mon truc trop près, mais ce qui va nous permettre évidemment d'étayer un nouveau design à la mesure des défis de notre époque. Oh putain, je me fatigue moi-même, au secours. Voilà. Est-ce qu'on est vraiment sur un escroquerie de level 70 plus? Voilà, et là, et voilà, et là c'est beau. Et en plus, regarde, on arrive pile à hauteur du vitrage. Donc cet espace lumineux, c'est beau volume, hein, bien sûr, pour la famille et 4 personnes dans ton usine à bon char et acier. Il n'y a rien de tel pour élever des enfants sourds. Il n'y a pas mieux. Voilà, et en fait, nous on tire. Mais putain, mais il m'a mis des vieux. Oh, des vieux gris dégueulasses là. T'es sérieux? On a payé des tickets pour avoir des beaux trucs là. Putain, espèce de sauvage quoi. Même pas un être humain. Oh là là. Voilà. Et là déjà, tu vois, comme ça on peut faire tampon et puis pendant que tu construis ton usine, t'es sûr que tu stockes ce qu'il faut. Là, t'es, je suis pas sûr encore. T'es serein pendant un moment. Voilà. Par contre. Narfang, j'ai une vraie question. Oui. Y'a que moi qui vois qu'il y a du vide cosmique entre les deux là? Ouais, sûrement ouais. Ah, entre les deux MK2 là? Non, entre le connecteur et les conteneurs. Genre ouais, y'a rien. Moi y'a pas de vide en fait, c'est des caoutchoucs. C'est des ouinges en caoutchouc. Ouais, moi j'ai un joint en caoutchouc, mais entre les deux tu vois pas les ressources passer. Et genre y'a un trou, tu vois en face. Non, je sais pas, pour moi c'est pas bugué. Oh, pour moi ça roule hein. Non, non, mais t'es mal foutu, hein. Non, mais je pense que ta maman avait raison, t'es quelqu'un de mal foutu depuis le début. Hein. Ouais, attends, je vais prendre du screen et je te l'enverrai. Ouais, ça marche, hein. On va en prendre 15 si tu veux des screens. On a rien à foutre quand même. Ok, alors. Formidable. Maintenant, on dégage la barrière et on remet un plancher un peu plus long. Alors, après, t'as ce plancher là, hein. T'as ce plancher ici. Oui, mais je veux. En fait, je veux une base un peu plus large. Je sais pas si c'est clair. Un peu plus large. C'est parce que en réalité, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut des fonderies là, c'est ça? Ouais. Fonderie en acier. Ah oui, mais j'ai pas de quoi t'aider à les construire, donc déjà voilà. Alors déjà, si je peux te faire je peux te faire du plaquage au sol, hein. Y a pas de souci. Oui, bah, YouTube. Fait, ok, on te l'aurait pas dit. Les trucs cool, c'est fini. Hein. Ça y est, on va se faire chier là. Là, c'est les défis de l'ingéniosité. Avec ma pente, t'es pas dans le bon sens. Ah si. Ah bon? Bah, pourquoi là c'est pas dans le bon sens, c'est pas dans le même sens là ici? Parce que c'est à la hauteur des défis.
Je sais pas, mais ça doit... Ouais, bon, vas-y, on va mettre ça dans le bon sens, là, tu casses les couilles. Hein. Ah faut dire, je voulais te le dire, puis je t'ai vu courir tellement vite comme à la pâquerita, je suis tellement crevé que j'ai pas eu le temps de... Tu sais, mon cerveau, il l'a vu, mais le temps que ça arrive jusqu'à la bouche... Bah t'as sauté comme un lapin crétin dans un trou quoi. Puis alors t'as vraiment fait un go face dedans, c'est... Un trou. Vite. Ah lapin crétin. Et bien sûr on remet de magnifiques barrières, incroyables. Hein. On adore, on les a débloqués quand même. Hein. Même si j'attends toujours qu'on ait des barrières à hauteur, des défis, bref, de notre truc là. Parce qu'en fait, quand tu regardes les barrières, quand ils te les vendent, t'as l'impression ouais. qu'elles sont en biais, genre pour les escaliers aussi. Et non, en fait, c'est que des barrières droites et y a rien d'autre, quoi. Ouais. Ça, c'est un peu, alors, c'est un peu vache, quoi. Pas d'autres travers, alors. Tu vas faire couiller. Ah, attention, hein. Il va poser. Hein. Et quand il va la poser, hein. Ça va s'imposer à vous tout de suite. Oh, j'aurais pas fait ça. J't'emmerde. Aïe aïe aïe, j'aurais pas fait ça non plus. Ah, je les aurais mis un tout petit peu plus loin, non? En fait, déjà, moi je les aurais mis sur deux pavés, mais tu sais, sur la ligne du milieu du pavé. Non pas pour une question d'esthétisme, mais pour avoir de l'espace entre tes deux machines, parce qu'il est très probable qu'on soit obligé de brancher peut-être 3 ou 4 fonderies. Donc, comme dans ces cas-là, tu mettras les fonderies devant. Alors, ouais. Ouais, et l'autre pareil, tu la mets... Non, non, entre deux, voilà. Entre deux, là, face à moi. Exactement, mon poulet. Et comme ça, si jamais t'es obligé d'en rajouter, tac, tu peux les reposer en quincon. En quincon. En quincon. Ouais, en quincon. Ok. Après, voilà. Du coup, comment on branche maintenant les trucs? Alors, pour l'instant, il nous faut dégroupir tout ça. Alors, c'est là où je regrette un peu de pas avoir des conteneurs de niveau 2. Parce qu'en fait, l'avantage des conteneurs niveau 2, c'est que tu peux avoir différentes sorties, et donc t'as différentes sorties, tu peux brancher différents trucs. Mais, heureusement, nous sommes habitués à nous adapter aux défis de notre quotidien. Ah, on est aligné là, en face, là. C'est chiant, ça. Alors, est-ce que... Oh, est-ce que je suis chaud? À quel point je suis chaud? Là, je suis en train de réfléchir. Je vais en extérieur pour réfléchir à ça. Je prends un peu d'air frais là. Avec un petit café. Ouais, exactement. Et je suis en train de me dire que, au vu des défis, je pourrais presque faire des découpleurs en extérieur là. Mais je vais peut-être pas faire ça. Et juste, on va peut-être juste partir sur, sur une idée de gros sac. Qui est de faire un truc comme ça à la base. Ouais, mais est-ce que ça, ça me va en fait? Est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Non, pas envie de ça. Est-ce que la France, elle inspire ce genre de conneries? Non, je pense pas, non. Si, non, si, si, pas, très clairement, si. Pense... Oui, enfin, c'est vrai que si on leur demande leur avis, c'est leur projet, mais. C'est vrai que les Parisiens qui viennent en vacances dans un coin perdu pour recueillir le Corona, c'est bien. Ah mais tu sais le Parisien, et alors le pire c'est que souvent le Parisien n'est même pas un vrai Parisien, alors ça je pense que c'est le pire du pire, hein, vraiment. Je pense que le Parisien qui n'est même pas un Parisien, en fait il mériterait pas d'exister. Parce qu'à un moment donné, faut rétrocéder à la mort ce qui lui appartient. Donc voilà, là je fais, voilà, je prépare un peu une formation je dirais du cercle soleil là, tout ce que tu veux là. Mais y a une idée dans mon projet, hein. Attention, elle est un peu obscure, hein, je te cache pas, mais y en a une. Alors Je fais en miroir ou pas? Alors si tu veux, ouais, tu peux faire ça, hein. Tu peux prendre ce genre de risque si tu le souhaites. Voilà, hop, là, je sors un tapis qui va venir ici. Là, je sors un tapis qui va par là. Et alors, messieurs, dames, sous vos yeux ébahis, le cirque du soleil. Pélé, 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 pélé. Non, c'est pas ça? Ouais, c'est pas loin d'être ça, ma gueule, hein. Hop. Attends, comme ça, là? Ouais, il manque une tour, en fait. Normalement, c'est un truc en 4 pylônes. C'est du design, tu peux pas comprendre. C'est parisien, quoi. C'est compréhensible seulement par les gens...
d'un goût douteux. Voilà, ce nom uniquement ceux qui payent 2000 euros pour s'habiller comme des pitards, c'est-à-dire comme des clodos. Voilà, c'est compréhensible que par ce genre de population, hein. Qu'on appelle des intellectuels, je crois. Alors, je me serais pas avancé autant que ça. Alors, non, quoique, attendez, attends. Si je peux tenter une escroquerie suprême, attendez un instant, monsieur. Je pense que, à un moment donné. Ah non, 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 il faut pas que tu vrilles dans ce sens-là. Mais non, mec, fais pas ça, frère. Ah, tu m'obliges à le faire comme ça. Ah, Zinedine, ça se fait pas. Hein. Parce que si tu m'obliges à faire ça, il faut que je remonte au top. Non, attends, c'est obscur. Je remonte au top pour redescendre en base. Ouais, non, c'est obscur là. On est d'accord. Ah, ouais, il se passe des trucs là. Le niveau d'obscurantisme est quand même aigu. On est revenu au siècle de lumière. C'est clair. En fait, je suis emmerdé parce qu'à un moment donné, il faut que j'utilise mes neurones et que je suis un peu ultra lavé. Mais attends, je vais faire ça. Je vais nous créer ça. Je vais nous créer donc les fameux 4 pylônes de la vérité. Une sorte de légende méta-urbaine de Sea of Thieves. Achetez Sea of Thieves, c'est cher. Hop. Pour un jeu qui n'évolue plus. Mais avec le Xbox Game Pass. Oui, c'est d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien là. J'ai l'impression que c'est merci d'avoir acheté, circuler maintenant. Et voilà, et maintenant on pourra donc le tirer tout droit juste en face pour alimenter une autre industrie si j'avais besoin. J'espère que t'as suivi, tu refais la même, t'as 2 minutes. J'ai rien suivi du tout. Il est mort. Le mec a rage quitté sa vie en fait là. S'il essaye de vous expliquer, c'est que c'est fini. Incroyable. Tu sais que tout ce temps qu'on passe sur cette vidéo absolument incroyable et que j'adore, en régalant, je devrais le passer à dormir avant de retourner bosser. Ouais. Ah ouais? Ouais, je suis éclaté là. Éclaté. Dormir c'est obscur. C'est un peu obscur là. Je suis d'accord. J'ai terminé l'analyse. On va quand même montrer des choses intéressantes aux gens. Alors ça, faut de l'acier, ça aussi, ça on s'en fout, voilà. Il y avait des trucs en quartz encore que je pouvais débloquer. Ah ouais, t'aurais pas une centaine de cadres modulaires qui traînent dans tes poches là? Dans mes poches? Non, j'en ai 20. Ah, ça c'est dommage ça. Et du coup, j'ai oublié de les reprendre. Je les avais à la base sur moi et je les ai plus. Ça c'est bien dommage. Alors, par contre, chef, je vais avoir une couille hein. Dans le pâté? C'est arrivé. Ah ouais. Il y a une couille dans mon pâté. C'est arrivé. Alors, je vais quand même venir te voir faire quelques branchements rapides. Non, mais toi t'es ingénieur, moi je suis flemmard, ok. Hein, hop, ligne droite, TGV dans la machine. Ah non. Ah non, me fais pas ça s'il te plaît. T'as le modèle économique sous tes yeux. T'as les budgets de Paris qui te sont accordés. Là, à un moment donné, il faut faire un effort, monsieur. Parce que là, la France te juge. Hein. Ah, mais qu'elle me juge? Qu'est-ce que j'en ai à branler? C'est la France du jugement dernier. Tac. C'est bien les poteaux MK2, hein. C'est pas mal, hein. J'aime bien le style. Alors maintenant voilà, il faut emmener le charbon. Ah oui, parce que moi j'ai fait ça comme ça, mais c'est vrai que t'as besoin de fer toi aussi. T'aurais peut-être pu me le dire que t'avais besoin de fer. Moi je t'avais oublié. Alors à n'importe quel moment je peux repartir sur une obscurité krakenoïdale. Même ce mot ne veut pas sortir de ma bouche. Voilà. Et donc voilà, je me mets là. Voilà, je me mets à hauteur de mes défis là. Et voilà, et j'emmène les choses avec moi là. Tu t'en sors Martoni là? Non. Ou est-ce que tu bluffes? Je bluffe. Impression aussi hein. C'est un peu l'impression que j'avais là. T'as l'air de galérer Non, j'en peux plus, je suis au bout de ma vie. Pourquoi tu fais ça mec? Arrête de faire ça. Tu sais que tu pouvais faire comme tout le monde et aller jouer à Call of Duty en fait, hein. Ou Fortnite. Je ne suis pas tout le monde. C'est vrai, il y a quelqu'un qui aime souffrir visiblement. Un petit peu. Un petit peu, hein. J'aime bien quand ça fait mal. Ne mets pas tes doigts dans la prise. Ne mets pas tes doigts dans la prise. voilà.
Moi, je serais passé sur un petit esthétisme quand même à la parisienne, quand même pour rappeler quand même le niveau d'ingénierie français. Hein, je pense que c'est important. Voilà, je serais passé sur un petit truc comme ça. Là, je te glisse un petit. Je te la glisse en scred et on est bon. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis pas consentant. Oui, alors bon, on s'entend sur le fait que tu sois con par contre. Voilà. Et donc là, n'importe quel moment, voilà, on peut faire des choses. Ah oui, alors. Ah, l'ignorant, il est mignon. L'ignorant. Alors, on sort 45 lingots d'acier par 3. Donc, 45 x 3, on sort 135 lingots d'acier par minute. Ouais. Et tu as des petites forges ridicules qui ne sont capables de traiter que on sort 20 pièces par minute. Donc il faut 3 lingots. Bah tu crames 3 entre lingots par fondre par constructeur par minute. Voilà. Qu'est-ce que quoi voilà. T'es en train de critiquer ma. En train de te dire qu'il n'y a pas assez de constructeurs en fait. T'es en train de me dire que je vais devoir te bzzzt. Ah non, fais pas ça, moi déjà je te tire un superbe réseau, voilà. Ça c'est un réseau, mec. Hein. Krakenoïdal, hein. Il est magnifique. Hein. Franchement, franchement, vivement qu'on ait les conteneurs de niveau 2, que ça ressemble à quelque chose, quoi. Mais en vrai, ça a un style, hein. Ça a son style, ça a son charme. On sent quand même l'esprit débrouillard de la France des années 30. France courageuse de travailleurs, voilà, à hauteur des défis de son époque, évidemment. Voilà. T'en sors là? Souvent YouTube, ils attendent la suite, hein. Je vais pas dire. Mais... je peux faire moi des constructeurs là, pas cher. Hein. Ouais, visiblement je peux. Alors, certes je peux, mais a-t-on la place pour cela? Est-ce qu'on se dit pas que de toute façon on est en déj de place, donc on accepte de la quoi en... Place. Je sais pas ce que c'est. De l'humidité. Tu sais, j'ai vraiment l'impression qu'on joue le bled dans lequel j'habite. Hein. Ah bon, à ce point-là? Ah ouais. Tiens, mais c'est bizarre, il y a de la place ici. Ouais, mais le terrain il est pas constructible. Ouais, mais ça c'était il y a 10 ans. Ouais. Bon, bah maintenant il l'est. Ok. Oh well. Donc voilà, là on arrive effectivement à hauteur des défis voilà, de notre pays. Hashtag on adore ça. Moi j'ai juste envie de le tirer comme ça. Claquer un truc mais dégueulasse as fuck. Hein, vraiment, là ça ressemble à rien. Je suis crevé, on sent que je suis crevé. Ça commence à sentir. Tac. Mais on fait tout ça pour toi, mais... YouTube. Hein. Ouais, jamais. C'est uniquement pour toi, ton tuyau. Vraiment. Alors, ici, c'était des tuyaux en acier, c'est ça? Non, c'était pas ça. On sait pas, on saura jamais. Je sais pas, faut qu'il y en ait une des deux qui fasse des tuyaux et l'autre qui fasse des. Et l'autre qui fasse des choses, quoi. Mmh. Intéressant. Alors, je tiens à dire que j'ai fait avec les moyens du bord. Hein. Ça a l'air pas trop mal. Donc ça, par contre, faut que ça dégage. Hein, donc, il faut pas déconner. Non, on s'en sort. Bon, on est très loin de mes capacités industrielles d'une autre game, mais. Dont on citera pas le nom. Avance là encore un peu, parce qu'on est dans le rail de. Ouais, vas-y, place là, fais la.
Je peux pas. T'as pas besoin d'être parfaitement en face. T'as pas besoin d'être parfaitement en face. Non mais en fait c'est la barrière qui m'emmerdait. J'arrivais pas à la poser encore. Parce que la barrière a une hitbox vachement large en fait. Ah ouais, on est quand même vite coincé. Hein. Oh, on est très très vite coincé. Hein. On est très 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 vite coincé. En fait, c'est presque... Là, presque, en fait, si je voudrais faire les choses bien, il faudrait vraiment qu'on pose que des fonderies ici et que je dégage des constructeurs en extérieur sur la terrasse. Pour construire l'acier, pour construire tout le merdier. On peut faire ça. Mais est-ce qu'on a ce qu'il faut sur nous, déjà pour... Parce que moi, je sais que j'arrive court en plaque renforcée et en... Et en rotor et tout ça. Bah ouais... Aussi, hein, mais au pire, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut laisser tourner celle-là parce qu'il nous faut les ressources pour passer les échelons. Dans tous les cas, oui, après, donc on laisse ça temporairement. On pose d'autres fonderies, on aménage un petit peu autour ce qu'on peut. Et une fois qu'on est prêt à tout raccorder, tout brancher, on envoie le max et on démonte ça. Comme ça, l'acier a le temps de se faire. Ouais, mais ça stocker de l'acier. Très vite, là. Tu te rends pas compte les 200 acier à la vitesse à laquelle ils sortent. Pas bien compte, c'est pour ça que je vais les groupir maintenant. Hop. Essayez de faire pareil sur les plaques. C'est des plaques ici qui sont. Moi je fais du tube là, et ce serait bien que tu sortes des plaques de l'autre côté. Ouais, ok, ça marche. Les autres, est-ce que tu veux que je les raccorde? Non, non, c'est bon. De toute façon, on s'en fout, on a dit que c'était un truc temporaire donc. Oui, je les raccorde quand même pour pouvoir les allumer. Ah oui, électricité, ok. Oui, bah ils sont pas raccordés. Ça c'est bon, ça sort. Ouais, parce que tu vois, il fallait 200 tubes. Là, on a déjà 64. Ça vient de s'arrêter à peu près. Non, 66. Bah, bref, ça continue quoi. Et ça passe surtout beaucoup son temps à attendre l'acier. Et comment ça se fait d'ailleurs? Parce que toi, tu devrais être full. Tac, tac, tac. Ah oui, t'envoies que 3 aciers. Ah oui, l'autre il consomme l'acier. Ah oui, par 3. Ah, donc une fonderie n'alimente en fait qu'un seul constructeur. Ouais, mais après on peut la limacer. Hein. J'en ai pas sur ouais, moi. Après on peut les limacer. Mais j'ai pas de limaçasse non plus. Ou alors, on peut aussi dire, bah, on fait des économies et puis on a niqué qu'une seule fonderie aussi. Et puis merde, hein. Ça marche aussi. Ouais, mais non, parce qu'après, elle va arriver en surplus. Puisque la fonderie produira pas assez. T'as enlevé une plaque en verre. Oh, c'est pour qu'il y ait des gens qui tombent dedans. Et je crois que je viens de voir un gens tomber dedans. Bah en fait, ouais, si c'est pareil, faudrait que je retire une de... Quoi que, en vrai, ouais non, 24, c'est ça, je tiens mes 24, ça... 26, 27, ah si, je monte un peu. Ouais, tu peux, laisse tourner les deux, toi de ton côté, surtout qu'on va en avoir besoin, parce que c'est les MK3, mec. Toi de ton côté, tu peux laisser tourner les deux, vas-y. Ouais, faut juste que je mette un logistique, un groupeur. Un groupir. Ah, tu vas galérer. Ouais, il fallait faire comme moi, il fallait le pousser au bout, au plus loin possible. Des défis de l'âge. Incroyable, hein. Vraiment. Enfin, la question, c'est est-ce qu'on sort assez de bons chars pour alimenter tout ça? Ouais, large. Ah, je regarde le conteneur, parce que le conteneur me le dit, tu vois. Et ouais, on est un petit peu plus. Voilà, on sort un petit peu plus de bons chars qu'on en consomme. Avec un seul gisement. Très content. Ouais, et puis après on posera une mine MK dessus si c'est que pour faire de l'acier quoi, on s'en fout hein. Ouais. Faudra masser ça très très vite. Eh bien on a déjà 122 tubes hein. Ah ça va vite hein. On a 122 tubes mon YouTube, donc je pense que en fait on va aller déverrouiller ça tranquillement. Encore une fois on est sur des industries très dégueulasses. Bon, bien que le chemin qui transporte le fer jusqu'ici, on peut le garder. Ouais, ça c'est le seul truc qui est viable actuellement. Ça c'est ok.
Ça c'est ok. Mais tu vois, pareil, j'y pensais là, tu sais, c'est toutes les plaques et rotors là que je me dis, mais mince, ça avance jamais, machin, avec rien et tout. Mais en fait, faut vraiment qu'on passe au tapis MK3 parce qu'en fait, il y a certaines ressources, tu te dis, bah en fait, j'en produis assez, mais c'est juste que ça arrive pas assez vite par tapis. Du coup, la machine s'arrête systématiquement. Mais tiens, c'est comme à la maison, il y a une couille là avec une des fonderies. La oui, B2. Sur la B2, ouais, je sais pas c'est quoi ton problème là sur la B2. Mais je sais pas, parce que toutes les autres sont raccordées pareil et tout. Mais de toute façon, c'est bientôt terminé hein, sur celle-ci, donc c'est pas trop gênant. Va falloir retourner à la base, ouais, débloquer le reste de la situation. J'attends vite fait les tubes. Pour YouTube. Et j'ai que 39 d'acier. Hein. T'as quand 39 d'acier? De plaques, plaques toi. Oui, mais toi, c'est des plaques. Moi, je veux dire, la prochaine recherche, je sais qu'elle demande 200 tubes, donc je vais les embarquer. Je vais les embarquer avec moi. Je vais pas m'embêter, je vais les prendre. Là, on est déjà 150, tu vois, tranquillement. Soit ça, soit je te laisse les prendre et je vais voir ce que je peux débloquer en recherche, parce qu'il y avait de la recherche aussi qui demandait. De toute façon, c'est pas très loin, hein. Il y a juste à descendre là et puis on y est, quoi. Pas à côté quand même, hein. Bah en fait c'est ça qui est chiant, c'est que je suis en train de dire soit j'attends un petit peu et c'est quand même toujours un peu long d'attendre, soit j'y vais mais le problème le temps que c'est que j'y arrive, ils seront là les 200 tubes donc. Mais il y a de la recherche ici, il y a un truc de recherche hein. Oui mais c'est pas que la recherche qu'il me faut aussi, c'est le pod de ravitaillement. Il y a le pod. Qu'est-ce qu'on en a du pod? Pod du hub, bah pour débloquer les paliers suivants. Ouais mais si on n'a pas les plaques pour l'instant on s'en bat les couilles. Regarde, mais tu veux avoir tes 200 plaques là aussi non? Non, regarde, j'en ai à peine 100 là. Attends, ah oui, parce que t'as démarré en industrie légèrement après moi. Non, elles ont démarré à peu près en même temps. Ah non, temps. T'en as même pas, t'en as 50. Regarde, c'est juste qu'en fait, il en faut 4 pour faire une poutre. Il faut 4 lingots pour faire une poutre, donc en fait, faut que je tourne qu'il y a un seul. Qu'il y a un seul connecteur. Hein. Ah ouais, bah oui. Ouais, il faut que tu tournes que sur un seul pour que ça aille au plus vite, ouais. Après, moi, je suis un peu en rab, si tu veux. Hop, regarde. Boum, bouf, mange mon gros. En fait, c'est presque ça que je devrais faire. C'est un groupeur ou c'est un répartiteur ton truc là? C'est un répartitos? Ouais. Hop. Alors, on va démonter un peu notre matos. Vas-y, hein. Parce qu'en fait, ce que je voudrais te faire. Alors, je démonte tout. Désolé. Vas-y, hein. J'essaie juste de un petit peu pour qu'on soit pas trop mal. Je vais te sortir. Ah oui, non, attends, il faut que tu sois assez loin. Il est où ton box là? C'est bon, je tape dedans. Hein. C'est bon, je tape dedans. Ouais. Il est là. Ok, toi, là. Il me faut un tapis MK2 qui va aller directos ici. Il me faut. Un répartiteur plutôt ici et il faut juste avant un groupeur. Ah non, c'était bon, c'est sur logistique. Juste là. Ce qui fait que toi, il me faut un répartitos ici, de la plaque MK2 là, qui va grouper là, un répartiteur qui repart là, toi qui produit de la plaque en acier. Voilà. Un premier tapis qui part là. Vas-y, j'en prie, on pose le groupier du coup. Ok. Et la dernière plaque qui se raccorde ici. Voilà. No power. You need power. I have what you want. Ah c'est bon, t'as tout raccordé. Ouais, bah j'ai branché au poteau qui était au bout. Ok, bah excellent. Voilà, je surbourre les deux au passage parce que j'ai un peu beaucoup de matos en rab. Hop, colle-moi ça ici. Voilà. Et là, tu devrais sortir de la plaque un peu plus vite. Moi, je sors du tube un peu moins vite, mais de toute façon, je suis déjà bien chargé en tube et j'ai déjà mes 200 tubes. Ah, tu as le temps qu'on fasse ça, je les ai déjà. Et puis toi, le tube ça consomme pas. Attends, le tube ça consomme combien? Ça consomme 3. Et ouais, t'as déjà 105 plaques. Pourquoi? De quoi?
Le tube, on va moins l'utiliser que le connecteur MK3. Tu plaisantes ? Munitions, flingues, obélisques. Bon, ouais, bon. Mais... Oui, oui, mais je veux dire... On va tout faire sauter, mec. Hein. Tu te rends pas compte ? Ah ouais, non, mais après, c'est l'apocalypse. Je vais détruire l'univers, en fait. Je vais me tirer faire vite fait... Attends, bah, je crois que je peux la faire ici, ma recherche à tube. Ma recherche à tube, je peux la faire ici. Donc ça nous laissera le temps de repartir avec 100 tubes et 200 plaques. Tu devrais avoir tes 200 plaques en même temps que j'ai mes 100 derniers tubes dont j'ai besoin. Recherche, c'était pas sur le soufre. Ah si, il y avait sur le soufre aussi. Mais c'était pas ça que je cherchais à la base. Non, ça c'était cadre modulaire. Attends, je vais vraiment me maudire là. Je vais vraiment me maudire, mec. Qu'est-ce que t'as fait ? Je voulais le débloquer un truc pour le. Ah, il me manque du soufre. Il me manque du soufre. Bon bah. Ouais, dans tous les cas, je vais t'abandonner. Hein. Je vais devoir m'abandonner. Ouais, je vais faire pareil. Hein. Parce que faut que je rachète la vie. Ah, ça c'est du bon ça. Moi j'aime quand on me prévient au dernier moment que on va fêter l'anniversaire de Pékin et que j'étais pas au courant et du coup j'ai absolument pas de cadeau prévu et que c'est pour le jour même. Ça te permet d'avoir une excuse pour venir les mains dans les poches, c'est ça qu'il faut se dire. Ah non. Non non, parce que sinon je me fais tuer. Dans ce cas, c'est une excuse pour pas venir et continuer à tourner du Satisfactory. Et ça c'est trop bien. Ta-na-na-na-na. C'est bon, bah désolé, hein, je vous abandonne, du coup j'en ai rien à foutre, je vais jouer au jeu vidéo là. Oh, ce petit escalier de fer, hein, quand même. Il a un petit côté sexy. Hein. Bah, le fer qu'on fait grimper long des escas, ça a son petit style, ça a son petit charme, on va pas se mentir. Moi j'aime bien. C'est sympatoche. Je vais rentrer à la base. Parce qu'il y avait un truc où il fallait 200 tubes et je sais plus c'était quoi. Hop là. Ah, il a pété une boîte toutes les 10 secondes. Ah, tu m'entends ? Oui, allô ? Oui, bonsoir. T'entends que je me pète une guibole ? Non, c'était moi. Non, c'est moi qui ai sauté, qui me suicidais avec mon bonhomme. Ah non, parce que j'ai perdu en fait toute ma vie à sauter du haut des escaliers à chaque fois pour taper une glissade derrière. Ah. C'est moche, hein. Fait mal un peu, hein. Bon, après, t'inquiète, des noix, on en a quelques-unes. Un petit peu. C'était quoi là? Parce que là on est sur de la logistique MK3, mais est-ce que c'est ce que je voulais? Je sais pas. Ah oui, parce que c'est ça aussi qu'on a oublié de faire. C'est ça que j'ai complètement oublié de faire. C'est bien, j'ai posé du soufre, machin, c'est rigolo, lol. Mais j'ai oublié de l'exploiter en fait. On fabrique pas de poudre à canon et on pourrait déjà avoir des stockages pleins de poudre à canon. On aurait de la poudre noire, un petit coup de sable perdu et on en parle plus. Mais je crois qu'on n'a pas le gisement de soufre, c'est surtout ça le truc. Si, 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 je te rappelle, je l'ai branché. Ah bah voilà. Il est branché en haut de la montagne, là où on est mort de manière obscure plusieurs fois. Tu te rappelles la grosse bestiole quand t'es venu? Ah oui, c'est ça, ah, il faut que tu ramènes 200 plaques. C'était bien ce jalon là en fait. C'est moi qui suis mal conçu. Ah, ah non, c'était celui-là. Ah, excuse-moi, c'était celui-là. Ah merde, ramène 100 tubes. Bah attends, du coup j'y retourne parce que j'étais parti. C'était pour revenir ici. Ah, t'es sérieux? Chercher. Bah j'étais revenu chercher des rotors et tout. Oh, mais t'es un protor stator là. Un turbo réacteur. Wow. Pourquoi j'ai autant de vis? Donne-moi des vis. Donne-moi des vis. On a tellement de vis, frère. Hop. Les techniques d'escro. Ah oui, mais ça se vide pas assez vite. Qu'est-ce qui se vide pas assez vite? En fait, je crois qu'au niveau plaque, ça y est, on arrive au max ou presque. Non, c'est pas ça. Mm-hmm. Ah, c'est ça, on va être au max. Bah, brûler. Oh, mais non, je vais pas les brûler. T'as besoin de plaques. T'es en train de me dire, j'ai besoin de plaques de fer, mec. T'as un conteneur plein au QG. Non, mais je te parle pas de plaques de fer renforcées. Et que je te brûle quoi? De plaques de fer de merde pour faire les constructeurs. Ah, mais pour l'instant, la plaque de fer, on en transforme encore, on en utilise encore. Je vais pas les brûler. Mais je parle des plaques de fer renforcées. On peut les brûler.
Puisque j'en produis des plaques aussi de fer de base ou les plaques de fer renforcées, faut savoir. J'ai besoin des plaques de fer de base, ok? Oui. Alors pour l'instant, je vais juste pas les brûler parce que j'attends que la chaîne soit pleine. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas fini de défoncer ce conteneur. Ouais, mais il y a la B2 aussi qui produit des plaques renforcées. Ouais, mais j'ai pas d'urgence. On est déjà branché en charbon en boucle. Voilà, on gagne rien. On est d'accord, mais. Est-ce qu'on peut avoir. Ah bah non, y a pas de brûleur ici. J'adore beaucoup courir avec une tasse dans les mains. C'est très drôle. C'est trop bien. C'est vraiment le meilleur jeu que l'humanité ait pu produire. Et de loin. Bon, allez, après Fortnite. Ferme ta gueule. J'ai de l'humour. J'aime l'humour. Ouais. Et vous, l'humour? C'est comment? Et Rotor, on est bientôt plein aussi, hein. Brûle-les. Ah, pas encore, pour l'instant t'en as besoin. Et on a besoin aussi pour les jalons. Et toi qui me disais, bah pourquoi t'en fous autant? Je... C'est demandé un peu. Ils arrivent les tubes ou pas, là? J'arrive, j'ai même les 200 plaques de fer pour le prochain jalon. D'accord. D'acier, pardon. J'ai encore recommencé. Ah, t'as fait tourner la pâte crétin, t'as vu un trou, t'y allez. Bah, en fait, je viens de sauter par-dessus le rebord de tout en haut. Ah, c'est un peu haut. Oui, disons que j'étais full life et qu'il me restait moins d'un demi-coeur. Ah. Donc, tomber d'en haut, dégâts de long ou pas, tu meurs. Voilà. Ah oui, c'est vrai que ça y est, j'ai les trous pour les hypertubes, les machins, j'avais pris ces trucs-là. Pour accéder aux étages des usines. Et je peux attaquer une gare routière si je le veux. Et là, ça bouffe du cadre modulaire et un peu de rotor, vite fait. Cadre modulaire, rotor, on a tout ça, hein. Ouais, et je peux m'amuser à faire un petit chemin avec un tracteur. Mais bon, moi, je suis team de chouchou, moi. Je suis team SNCF, mec. Hein. Ouais. Moi aussi. En fait, le tracteur, c'est bien, mais... Ouais, c'est rigolo. Il y a trop de caractéristiques de merde. Genre, s'il y a un mob qui se met sur le chemin et que le tracteur touche le mob, il va se renverser. Ouais, et il sera bloqué. C'est ça. Et là, ça nique toute ta prod en fait. Ouais. Alors que le train, il va pousser le mob. Oui. Ou il va passer à travers. Parce que le mob passe à travers les rails souvent. Mais. Ouais. Et du coup, surtout ce qui est chiant avec le tracteur, c'est que si tu te dis ouais, je vais raser, je vais tondre. Hop, ouais, mais le problème c'est qu'à chaque fois qu'il y a une mise à jour ou n'importe quoi, s'il y a un brin d'herbe qui repousse, bah ton tracteur il roule plus. Merci monsieur. C'est pour toi YouTube. Voilà, pense à toi YouTube. Milestone reached. Improved miner included to. Ta gueule, madame. Et ensuite il y avait choisir ce jalon là. On peut balancer les jalons par deux. Moi non plus. Bon, on va choisir le jalon là. Ah, c'est là, on peut pas. Mais ouais, on peut balancer les jalons par deux. C'est peut-être pour ça qu'il y avait un bouton de L. Ok. Je sais rien, je peux pas te dire. Voilà, on a 300 tubes. Et par contre, là maintenant, il faut. Mais du, attends, en fait, du non, c'est pas ça. Peut-être que à partir d'un certain jalon, tu peux en avoir deux par deux. Aussi. Parce qu'avant... Ah, c'est possible, peut-être, ouais. Ça m'étonnerait, parce que normalement, il faut envoyer le pod et attendre qu'il revienne à chaque fois. Ouais, bah, on a pété le jeu encore. Ouais, c'est possible. Alors, par contre, là, on va être embêté, hein. Poudre en béton armé. On s'y appelle le MK4. Ouais, MK4, hein. Je crois, hein. Ah bon. Ah J'ai envie c'est de pleurer, bon. C'est beau ma mène, c'est beau. C'est trop les bien ma gueule. Oh, la MK2. La MK2. Bah en vrai on s'en fout parce qu'on peut pas le transporter, ce qu'elle va produire. De quoi? Comment ça? Si on a les tubes 3. Bah on a le plaquage 3 là normalement. Ça y est, enfin attends, alimentation je regarde, logistique, convoyeur MK3 convoyeur MK3, convoyeur MK3, ouais. On a même les stackable pipeline support, you know. Voilà, ça c'est tout ce qu'on a débloqué. Ouais, on a débloqué quelques trucs, hein, vite fait là. C'est pas vilain. Donc, ouais, plus de foreuses charbon MK2, tout passant MK3, comme ça on double notre production de tickets minute. Et ça c'est important.
On va au passage être quasiment full en rotor, protor, stator. Ah, j'entends qu'il n'y a plus de vis. Je vais reprendre des vis. Et je vais refiler la machine. Manuellement en vis. Tiens, vas-y. Hop, là, bouffe. Toi, t'es encore plein. Tiens, vas-y, prends plus de vis, là. Ça fait plaisir. Non, t'as de la place, là, dans ta machine. Allez, reprends un peu de vis. Voilà. Donc ouais, voilà, on a tout ça qui est bon. Peut-être pas aller plus loin maintenant tout de suite. Ah si, j'avais l'histoire des 100 cadres modulars. Putain, tu vois. Hop, comme ça je vais lancer ça. La première tuture. On va pouvoir sortir la première voiture. On va pouvoir sortir la première caisse. Voiture ? Ouais. Vroom vroom. Vroom. C'est ça, Camtar. Et pas dans la neige. Plus dans le désert. Hop. Faut qu'on s'en fasse du Camtar, ça fait longtemps, là, on va plus savoir jouer. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et donc à partir de là, il faut produire aussi des moteurs, des machins, des unités de contrôle radio pour pouvoir faire la tour radar. Tour radar extrêmement importante. Pourquoi ? Elle te révèle ta map en fait. Mais on n'a pas de map, si ? Bah après t'as une map. Ah ! Oh ! Voilà. Donc ça te révèle ta map. Et moi je trouve ça trop cool en fait. Est-ce que ça t'intéresse qu'on crame du câble ? Ouais, non mais on peut tout cramer, hein. J'avoue, on s'en fout, mec. On a de la bobine de cuivre à plus savoir quoi en foutre. On a tes tubes de cuivre aussi à plus savoir quoi en foutre. Bientôt, on va avoir les plaques qui vont être pleines. On est en train de remplir les vis. Les plaques, excuse-moi, c'est plein. Les vis, c'est les clous, enfin les tiges, c'est plein. Les MK, c'est plein. On va vider du MK. Voilà, je vais prendre ça, je vais te jeter ça là-bas. Même si j'aurais mieux fait de prendre du cadre modulaire, je crois que ça paye mieux. Bah ouais, mais cadre modulaire, on en a besoin un peu. Oui, enfin, on en a un conteneur plein. Voilà. On a un conteneur plein, si tu veux, t'as un peu de marge, quoi. Tu peux te permettre de garder qu'une ligne. Surtout que ça nous en demande un peu, bah surtout ça nous demandait quand on va commencer à faire du cadre modulaire lourd. Mais bon, à la vitesse à laquelle produit l'usine, on aura le temps de refaire un conteneur plein, tranquille quoi, sans forcer. Bon, c'est pas grave, j'ai juste pris des placasses de base. Je vais nous virer ça. Touk, 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 dans la grande poubelle. Et ouais, pour les poudres en béton, c'est là où en fait il faudrait s'intéresser à ramener de l'acier ici. Ou du béton là-bas. Train ? Attends, même avant ça, il y a... Oui, mais train, on l'a pas encore. Eh, hey, béton, on en a là-bas, on s'en fout. Bah oui, mais faut que je vois les gisements de béton, dans quel état ils sont, est-ce qu'ils sont purs, est-ce qu'ils sont impurs, est-ce qu'ils sont dégueulasses. On s'en fout, c'est juste pour faire du béton armé, on n'utilisera pas beaucoup. Après, ceci dit, là, ouais, c'est ça, je peux les craft aussi moi-même à la main, on va, je suis con. Bon, je vais chercher un peu de bétonasse. Et puis, je pense que je vais commencer à les craft à la main. Là je vois quand c'est 50 pour avoir des hypertubes. Je dis aux F, hein. Je peux les sortir moi-même. Il est déjà plein lui. Il aurait peut-être pris un petit peu trop quand même là. Peut-être été un peu généreux avec moi-même là. Je reconnais que je me suis un peu lâché là. Voilà. Dire qu'il y a des gisements de fer là-haut, on ne les exploite même pas encore. Oui, parce qu'il faut pas oublier non plus qu'on a une source de charbon inexploitée, enfin inexploitée. Il y a une mine dessus, hein, qui est branchée au réseau, du côté du quartz. On a encore. J'ai mis en marche le broyeur. Le broyeur va broyer des câbles et des tôles de cuivre. D'accord. On rajoute des bobines. Hein. Les bobines. Ouais, mais... T'as les bobines de cuivre aussi. Ouais, mais les bobines de cuivre vont être utilisées là pour refabriquer après du... Oui, ceci dit, oui. Du fil. Tout à fait. Tu broyes par contre ? Ça broyasse ou pas ? Ça vient de se mettre en route. Ok. J'espère que c'est sur du MK2, hein, sinon je vais râler. Hein. Bien sûr. Petit bon, hein. Ça fait un petit bon, ce qui est pas vilain. Pas de dégâts.
Il y a juste la tôle de cuivre que j'ai laissée sur du MK1. Attention, j'explique, c'est parce qu'on en a besoin pour fabriquer des rotors derrière. Attends, ça c'est un groupier, hein, c'est ça que t'es en train de me dire. Qu'est-ce que tu fais chez nous, toi? Ceci est une zone bétonnée, interdite aux animaux. Voilà. À côté, voilà, j'ai placé un autre... un autre truc de façon à ce que on ait on va dire une poubelle dans laquelle on peut décharger manuellement. Ah, du temps, c'est le gros là. Il est sur une zone interdite. Ouais, mais c'est un peu notre pète, hein, tu vois, c'est un peu une sorte non, de. Non, c'est pas notre pote, c'est un enculé de collabo de merde. Voilà, meurs. Tu l'as tué en plus? Oui. Ah, YouTube désapprouve, tu sais. Hein. T'as rien à foutre. Tu sais, YouTube c'est des fragiles et ils aiment pas trop la violence quoi. Enfin si, mais enfin non, enfin... Oh, ils essaient de suivre quoi. Oh, mais enfin bon, t'as compris, ils sont fragiles quand ça les arme. On est sur une production globale de 14 700 points de... par minute, hein. Ouais, on est pas trop mal. Ça doit faire du siquier, hein, ça tourne. Ça fait de la plaque, c'est ça. Ouais, ça fait de la plaque. Oh, ça m'a reçu instantanément toutes les vis qu'on avait en réserve. Hein. Oh, le truc il a... Ah non, il reste de la vis. Ok. Je vais filer. Hey, t'es en train de cramer mon carburant, enculé. Quel carburant? Quel carburant? De quoi il parle? Allô? C'est dit, monsieur? Le carburant de. De bioréacteur. Ah, les biocombustibles machin là? Ouais. Ouais, bah ils nous servent plus qu'à ça. Ils ne servent plus qu'à ça, donc j'en ai gardé un peu sur moi, mais ouais, tout le reste va partir brûler. Hein. Je vais aller cramer 300 rotors aussi pour faire des. Ouais, y a pas d'urgence, c'est déjà plein ton truc. Hein. Non, il est pas plein. Non, place. Il n'y a plus de place, mec. T'as vraiment remis un truc pour m'emmerder? Bah non, mais j'ai vidé ce qu'il y a vidé quoi. Et c'est vidé au moins le truc des. C'est vide. On met pas. Bon, j'ai gardé le reste pour aller construire là. Parce qu'après, pareil, hein, si tu veux chipoter, il y a les cadres modulaires là. On va être plein encore dans quelques secondes. Hein. Bah dégage-en un peu, hein. Tant qu'à faire, ça fait du point. On a un peu d'avance. Bon, allez, moi je te laisse. Parce qu'il faut vraiment que j'y aille. Tu m'étonnes, Elton. Du coup, ouais, tu dis au revoir à YouTube. Ouais, au revoir à YouTube. Hein. Des bisous, à la prochaine. Et ouais, c'est bon, commence à faire vite fait, mon petit cap. C'est vite fait. Un comme d'habitude, ça paiera dans le temps. Bah, en vrai, pas tant que ça, parce qu'on ne pourra pas des trucs qui ont beaucoup de valeur, en fait. Ah. À part le rotor, quoi, mais les rotors défilent pas très très vite. Mais bon, les tiges, les conneries, les caps, ça vaut rien. Ça vaut juste rien. Ouais, mais c'est pas grave, ça produit quand même quoi. Exactement, mais dans tous les cas, c'est un épisode très riche, très informel, etc. Des bisous YouTube, à la prochaine quoi. Adieu. Ciao.